4 mois qu'il est dans l'académie, il est passé au casting, c'est son premier spectacle professionnel. Nous allons accueillir comme il se doit, Monsieur Steve Mbondo. Bonsoir. Bonsoir. Celui qui a dit que la roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons, a menti. Mesdames et messieurs, je dédie ce sketch à tous les panneaux de signalisation qui sont devenus des panneaux de décoration. Et de temps en temps, quand vous allez dans vos villages, vous voyez, viande de plus en vente ici. Je dédie ce sketch à tous les agents du contrôle routier, prévention routière. Avant, on les appelait les mange-mille. Désormais, ce sont les mange-25 000. Et lorsque vous n'avez pas la monnaie pour participer à l'effort national de corruption, ils vous disent, grand frère, mais n'ayez pas mobile money. Et enfin, je dédie ce sketch à toutes les auto-écoles du Cameroun qui veulent nous enseigner ce qu'on appelle le code de la route. Quelle route? On devrait sincèrement le rebaptiser le code du nid de poule. Parce que, en fait, dans certains de nos quartiers, lorsque vous arrivez, vous voyez un morceau de goudron, vous vous demandez, je dis, hein, tu as oublié ça là? Et je vous assure, je dis nid de poule, mais c'est une insulte à tous les nids de poule, parce qu'un trou dans lequel, lorsque votre véhicule entre, ne voit plus la malle arrière, ce n'est pas un nid de poule, c'est un poulailler ou une mini-ferme. Mais vraiment, sommes une année compliquée. Je ne suis pas venu dénigrer le gouvernement parce qu'ils ont beaucoup fait. Ils ont créé ce qu'on appelle les routes poissons d'avril. C'est les routes sur lesquelles on vient verser le gravier quand le gouverneur doit passer. Et le lendemain, tu te lèves content, tu dis, hey, émergence, la route te regarde dans les yeux et te dit, poisson d'avril. Non, mais c'est... Sérieusement, on se plaint parce qu'on marche, on souffre. Mais tout ça n'empêche pas mes compatriotes d'acheter de belles grosses voitures. Et dernièrement, dans mon quartier très enclavé, on a d'ailleurs célébré les obsèques du dernier morceau de goudron récemment. Paix à son âme. Mon voisin très riche avec sa grosse voiture m'a vu marcher sur le soleil de Douala et pris par un élan de compassion à la suite de la messe du dimanche m'a dit, je peux vous raccourcir le chemin? Mon frère, oui là. Mais je suis entré dans sa voiture pour vous dire en toute sincérité, ce genre de voiture, quand vous entrez, vous commencez à vous poser des questions existentielles. Pourquoi pas moi? Seigneur, je suis venu accompagner les gens. Non, vraiment, la voiture était bien, climatisation, chaise chauffante, caméra d'avancement, de recul, de latéralement. Wi-Fi gratuit, transfert de crédit gratuit. Je vous assure, Bluetooth, Red Tout, Every Tout était dans la voiture. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en plus de tout ça, il avait une dame avec une voix particulière. Vous savez, il y a la publicité camerounaise et les voix camerounaises du genre, ma copine, tu connais un nouveau savon là, la clé? Non. C'était le genre de voix des publicités de Canal+. Mesdames et messieurs, le nouveau savon Lala La Claire vous débarrasse de la mélanine excessive. Ouais. Le genre de voix qui vous fait accepter les bonnes, les mauvaises nouvelles avec le sourire, quoi. Et cette dame lui donnait des instructions. À 100 mètres, tournez à gauche. Attention, embouteillage à Aqua. Et moi, tout est bas, je lui demande, mais monsieur, c'est quoi là-bas? Oh, vous savez, les riches, qu'ils ont l'occasion de faire leur one-man show. Mais Steve, ça s'appelle un GPS. Tu sais, en Europe, on est habitué. Et il a conclu par ce fameux riz des riches. Ha, ha, ha. Et moi aussi, pour rebondir, genre, on est dans le même club, j'ai enchaîné avec... Mais... Considérant les routes de Douala.
Et la circulation, je vous assure, je n'ai pas trouvé ça très utile. Et subitement, j'ai une révélation. Alléluia. Inventer le GPS camerounais. Bonjour, Linga. Démarre. Olinga, tu vas où? Tourne à gauche. Mouffe, j'ai dit à gauche. Oh, 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 attention, attention, Linga. Il y a deux policiers cachés là-bas. Fais marche arrière, Olinga. Tu dis que tu vas où? À commande. Il y a deux des doigts là, ils ont bloqué. Hein? Passez par Bepanda, hein, les Bamilécons, leur cotisation, il y a la réunion. Hey! Olinga, tu es entré dans le trou. Tu voulais suivre le taximan. Ce n'est pas sa voiture, Olinga. Je t'ai bien dit, sors alors du trou. Sors du trou, Olinga. On vous dit d'acheter les 4x4 à Douala. Vous achetez les Toyota, les voitures basses. C'est quoi ça? Olinga, sort du trou, je vois. Tu regardes quoi? Madame, c'est que tu regardes les filles en roue. Olinga. Olinga. Olinga, viens me conduire. Olinga.